Hello tout le monde, c'est Falcon et bienvenue à vous les amis sur votre 24e épisode de notre Let's Live sur Final Fantasy X de HD Remaster, toujours en compagnie de la Web TV de Level Down, à qui je fais un gros coucou et merci à vous de votre fidélité. Allez les amis, je vous rappelle que nous avions fini la quête finalement des singes dans l'épisode 23, l'agence matrimoniale de la planète des singes, comme on a pu le savoir, et on avait juste lancé le script de ce qui se passait tout simplement concernant les monstres au temple de Kilika. Et on avait reçu finalement une aide un petit peu inattendue, j'ai envie de dire, de la part de Donna. Parce qu'elle veut pas l'avouer, mais elle veut retrouver son petit Bartello. En tout cas, je vais remettre vos petits commentaires par ici. Voilà. Et on est parti. Donc, let's go. C'est parti. Voilà, donc j'ai bien fait, justement. Let's wait for our chance and take it. Prête à franchir le barrage. J'ai envie de vous dire, il y a peut-être des coffres, mais je m'en fiche. Je veux faire du scénario. Alors, profitez de la diversion que fait Donna pour franchir le barrage discrètement. Guettez le moment où la porte s'ouvre. A avec foncé, RB angle de vue, appuyez sur RB pour changer d'angle de vue et observer la situation, d'accord. Appuyez sur A quand la voie est libre pour foncer. Les gardes ouvrent la porte lorsqu'un partisan de la Ligue se présente, ouvrez l'œil. Le garde avec qui Donna discute se retourne de temps en temps, évitez de foncer à ce moment-là. Voulez-vous faire quelques essais? Oui. Faites plusieurs tentatives pour trouver le bon timing. Vous ne pouvez pas passer, faites demi-tour. Ok, là il y a Donna. D'accord, donc là, en gros, ils sont en train de se parler. Donc, admettons, ouvrez la porte. Ah, mince. D'accord. Ok, bon, on a compris le principe. En gros, faut que le celui de gauche soit accaparé par un personnage. L'autre, il ouvre la porte quand il a le dos, mais il faut faire attention au garde avec lequel parle Donna. Vous ne pouvez pas passer, faites demi-tour, d'accord. Hey, comment ça va? Donc lui, il va pouvoir passer. Ouvrez la porte. Mais c'est chaud, en fait. Vous voulez que je passe quand? Attendez. Non, je peux pas me déplacer. Hein. Foncez, arrêtez. Donc arrêtez le test, je suppose. Il n'y a pas moyen de... Attendez, est-ce qu'il faut au moins que je réussisse un essai? Ouais, ça me paraît... bizarre. Enfin, bizarre. Pas bizarre, mais... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouvrez la porte. Voilà. Joli timing, d'accord. Bon bah on va essayer. Hein. Allons-y pour de bon. Vous n'avez qu'une chance, tâchez d'assurer. Vous ne pouvez pas passer, faites demi-tour. Ça fait quoi si je loupe? Coucou Dredo, bienvenue à toi sur le stream. Comment vas-tu? Hey, comment va? Ouvrez la porte. Voilà, c'est bon. Yes, on a réussi. Ouais. Ah, super. Ah, on a le droit à un coffre. D'accord. Ah, je suis content, super. Âme du samouraï. Qu'est-ce que c'est que ça? Vétis faire? Ah non. Non. Bon, écoutez, je ne sais pas trop. Dépêchons-nous d'aller au temple avant de nous faire opérer. Allez, traînons pas. Bah c'est cool. You, what are you doing? Run.
There's a hidden path through the woods. Walk the treetops. Il y a un passage au-dessus des arbres. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça. Déjà tu sauvegardes. Première chose. Tu sauvegardes. Parfait. Bon. Il y a un passage au-dessus des arbres. Je vais déjà aller checker pour voir s'il n'y a pas des coffres. Bon, il y a des combats, ça c'était sûr. Oh là, non, non, pas eux, pas eux. Bah, quoique, ça va aller, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez. Fury, Casino, 4D et. Passe aux tireuses au pire, c'est pas grave. Ok. Et je rappelle que là, c'est la première fois hein, qu'on change de vétisphère directement, donc c'est pour ça que ça passe comme ça. Voilà. Yeah. Et je suis content au niveau des palettes d'avoir fait tout ça. Tir rapide. Oui, 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 oui. Aïe. Objet, potion plus. Voilà, bah c'est bon, parfait. J'ai envie de dire nickel. That wasn't much fun. Très bien. Y a pas de coffre, y a pas de coffre. Alors, pour moi, là, c'est quasiment de la totale redécouverte. Hein. Je vous assure que je ne sais pas comment... D'accord, donc là, c'est bloqué. Ça va me dire que vous ne pouvez pas passer, c'est sûr. Ok, donc ça paraissait logique. Voyons voir. Objet potion plus sur Yuna. Oh non! Objet. Queue de phénix sur Yuna. Mais ils sont tout mous en plus quoi. Please. Mais please quoi. Tu attaques. Hop, hop. Casino 4D. Ouais, on va quand même se méfier, hein. Objet. Une potion de plus sur toi. Ok, on a pris jackpot magie. Très bien. Mais ils sont tout mous, là! Ils sont tout mous! Bien! Allez, maintenant, on enchaîne. Allez, salut! Et peut-être, par contre, que je repasse en chevalier noir. Ah, regardez, là! Ce serait pas par là? Oui, là aussi, c'est bloqué. Oh! Ah, attendez. Non. J'espère que vous avez tous souhaité un joyeux anniversaire psycho sur Twitter. J'ai pas Twitter. J'ai fait un du... j'ai fait sur Steam, mais ils verront pas aujourd'hui. Bref, c'est l'appel putain d'un druide. N'importe quoi. Ou alors lui, je m'en rappelle. Tir rapide. Ok, casino, non. Je veux 4D. Allez, Fury, on va faire max de dégâts comme ça, vous allez voir. Par contre, faudrait pas lui mettre très point, lui. Ouh.
passe tout de suite en chevalier noir. Chevalier noir. Ah, il fait mal. Casino. Qu'est-ce que c'est que ça? Permettant d'effectuer des attaques magiques. C'est tellement classe, regardez-moi ça. C'est tellement classe. Alors, ténèbres, non. Sorcellerie. Inflige poison. Vas-y, essaye ça. Ouf, oh la vache. Ah c'est bon, on l'a eu. D'accord. Bah parfait. Nickel. Ah par contre quand j'ai fait perdre... Ah mince, c'est pas grave. Quand j'ai pas gagné d'XP, est-ce que j'ai fait fuir justement Ok, moi ça me plaît bien cette configuration. Alors du coup... Par là peut-être, non? Putain mais je suis... Par où il faut aller? Je vois pas où il faut aller là. Tu attaques. Casino 4D et ténèbres. J'aime pas quand il fait le blast là. Ah mais ah, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Cross your fingers. Eh, 4D ça passe bien, ça fait masse de dégâts, 13 coups. Allez, on attaque. Voilà, parfait. Ça, attends, ça fait du bien d'avoir Berserk dans notre tactique de jeu, sans blaguer. Ce qui manque juste là, peut-être, c'est un mage blanc. Je suis en train de me dire... ouais. Mais bon, c'est pas grave. Bon, comment je passe? Non, pas eux. Fury. Objet, potion plus sur Riku. Ils font pas masse de dégâts, mais alors comment ils sont hyper lents, quoi. On en parle du coup qu'on lui a fait, là, comme ça. 1428 au calme. On lui fait un ténèbre. Allez, salut. Allez, salut. Et presque salut. Ok. Ouh. Je vois pas ce qu'il faut faire. Ça me saoule. Je peux monter, mais... Enfin, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire, parce que on peut monter aux armes, mais j'ai pas d'action contextuelle ou... Je laisse mon doigt appuyé, hein... Non, c'est pas par là. À droite, alors? Je vois que ça, hein. Pas facile. Ok, Fury, ténèbres... Et objet, une potion plus sur Pain. Allez, go, 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 là. Boum. Merci. Merci d'être passé. Voilà. Parfait. C'est pas par là.
vas sauvegarder. Enfin, sauvegarder. Ah, mais attendez, sur les pierres. Non. Non. Je comprends rien. Je comprends rien, ça m'énerve. Allez, 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 foudre X. Ça peut faire mal. Ouais. Cross your fingers. Oh le pauvre. Oh ce qu'il s'est mangé. Alors là ça continue, pourquoi? Parce que ça valide quand même le point de compétence, hein, bien sûr, que je fais. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Là, peut-être. Je sais pas, je martèle le bouton, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ça me fatigue. Ah, là. Là. Quoi, on va fuir parce que là non, on n'est pas des fous quand même. Là que je passe par le stade guerrier pour lui mettre trépan, donc allez, queue de phénix. Allez, 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 les filles, on y va là. C'est tout, tout lent le jeu quand c'est comme ça. Trop bizarre. Ok, on a appris dégommer, parfait. Bon, c'est forcément quelque chose sur la gauche. Je martèle, je laisse mon doigt appuyer sur B. Donna said there was a hidden path. Walk the treetops. Ok, c'est pas trop tôt. Un quart d'heure pour ça, quoi. Ok. Je sais pas ce qui se passe, mais... Ouin ! C'est une véritable invasion de monstres ! Heureux à toi, Alphira. Objet... Potion plus.
Objet. Potion plus. Pas sur Pain. Putain, salaud. Comme elle est tombée. Objet. Cut Phoenix sur Pain. Objet. Potion plus sur Pain. Allez, on va se concentrer sur Pain. Ok, on a pris châtiment, ça c'est cool, merci. Nickel. Allez, on continue. Ah, c'est bien, on va avoir du scénario, je sais ce que je voulais. Il y a des combats partout en effet. Mais ce ne sont pas des soldats zombifiés. Maintenant que je me pose la question. Elle est trop belle, épée d'Una. Franchement, elle est trop belle. Go! Oh, mais il y a des combats... Il y a trop de combats, là! Allez, ténèbres, ça va bien marcher, vous allez voir. Allez, go! Allez, lance ton petit ténèbre, ma petite Fiona, voilà, merci. Parfait. Ok, nickel. Y a rien sur la droite, c'est ce que je voulais regarder. Non, c'est bon. Ok, donc tous les Yevonistes hein, quittent le temple, a priori, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est bizarre, j'ai envie de vous dire. Mais au moins, il y aura moins de victimes. Il y aura moins de victimes, comme on dit. Oh là, mais normalement, la flamme, elle est rouge, là, Kilika. Ok, début de la mission. Nouvelle mission. Rétablissez l'ordre en débarrassant le temple des monstres qui l'envahissent. Critère de réussite, chasser les monstres. Très bien. Oh là. Ok. Alors, je parle au personnage. Quelle de veine! Je suis venu exprès pour écouler ma marchandise, et voilà ce qui arrive. Vous n'avez besoin de rien? Vas-y, fais voir, on sait jamais. On a déjà tout ce qu'il nous faut en maximum quantité, donc let's go. Le pauvre, il a été séparé de sa maman dans la bousculade. Allez, sèche tes larmes, t'es un grand maintenant. Ouah, maman. Shinra. Je sais que c'est dangereux, mais je veux finir de poser cette visiosphère. On sera bientôt à court de munitions. Nous n'avons pas pu nous approvisionner à cause du blocus de la Ligue des Jeunes. Ma défunte mère me le disait toujours, les flammes bleues sont les flammes de la destruction. Oh, intéressant, je trouve. Intéressant. Les négociations, ça me connaît. Laissez-moi m'en occuper. Neoyevon ou la Ligue des Jeunes, peu importe, l'heure n'est pas à la querelle. Dites-moi, il est dur en affaire, votre ami. Ah, stop, des gens sont réfugiés à l'intérieur. Ok, même chose ici. Yes. Ma famille est partie se réfugier en ville. Ils doivent être en sécurité maintenant. Nous devons absolument arrêter les monstres, sinon ils attaqueront la ville. Pas besoin de l'aide de la Ligue des Jeunes. Nous pouvons défendre notre temple nous-mêmes. Oui, ben on va voir ça. Hein. Ah ouais, ça rigole pas là. De telles armes dans un lieu saint. Qui aurait cru que nous serions amenés à utiliser ces armes dans notre temple? Ces armes proviennent de Bevel. Espérons qu'elles suffiront à repousser les monstres. Coucou à toi Rox, bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée? On va sauvegarder. Et on est parti à l'intérieur du temple, les amis. C'est parti.
On suppose qu'on va avoir des monstres, hein, ça paraît logique. Donc je vous rappelle qu'ici, dans FF10, nous avions eu Ifrit, hein, bien sûr, le démon de feu. Oh, mais dis donc. Il y en a partout. Ah, il veut pas parler, d'accord. Mes hommes, il n'y a pas un seul survivant. La bataille fait rage derrière cette porte. Nous faisons tout notre possible pour contenir les monstres. Oh là! Ouais, eux je m'en rappelle, ouais. Eux je m'en rappelle. Dans la grotte du prix envolé, on les avait vus. Ténèbres. Fury. Casino. 4D. On va quand même se méfier d'eux parce qu'ils font mal. C'est des puissants magiciens. Je ne sais pas comment ils s'appellent, mais en plus ils se mettent booster. Oh oui. Ça va. J'ai rien dit, ça va. Ou alors peut-être qu'ils sont moins puissants. Ça doit être ça. Okay. The fiends? We're holding them off, somehow. They're coming from inside. One after another. Oh! If the fiends reach the town, they'll reach Donna! They won't. Thanks. Donna wants to see you. Well, she didn't come right out and say it, but you can kind of tell. I want to see her too. Even if we believe different things, I'll always feel the same about her. The time of the summoners may have passed, but I will always be Donna's guardian. I live only to protect her. And you can say that with a straight face? Donna! Ok. J'ai envie de vous dire, bah, parlons à Barthélo. Les flammes se sont éteintes quand vous avez vaincu le monstre. Ce sont sans doute ceux qui contrôlent ces flammes qui nous bloquent le passage. D'accord. Ok, donc une flamme, un monstre. Ok, nos soucis. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Fury. Ténèbres, casino, 4D. On va y arriver, rassurez-vous, on va y arriver. Et c'est là toi, Carrie, bienvenue sur le stream, comment vas-tu? Ok, donc c'est facile, on a compris le principe. Alors là, rien. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, en trois coups, normalement, on le bat. Hein. Ça devrait le faire. Oh le pauvre! Oh le pauvre! Mon dieu. Je trouve que la caméra est très très placée proche de nos personnages, je trouve, depuis qu'on a Kilika. Ok, donc la flamme s'éteint. Après, je dirais peut-être là. Non, à gauche. Voilà, c'était classique. Bon, ça va, hein, ça va le faire. On connaît un peu comment ça se place. Casino, 4D et ténèbres. Allez les filles, allez, 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 on y croit. Fury, Riku, tu attaques direct en nous faisant un beau... Voilà, 817, parfait. 1000. Et... boum! 13 coups. Yes. Bien, 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 bien. Parfait.
On est pas obligé de nous mettre la cinématique par contre, les amis. Et donc le dernier. Voilà. Ok. J'ai envie de vous dire facile, hein. On connaît la recette magique. Puis ils sont bêtes, ils gâchent un tour au moins à chaque fois pour booster. Donc, même s'ils attaquent plus vite derrière, j'ai envie de vous dire. On leur fait tellement mal que... Ok, nickel, nickel, nickel. Je suis bien content. Ça se profile très bien. Bon. Allez, vas-y, Sésame, ouvre-toi. Il y en a un devant, juste devant. Ça va aller vite. Oh, il y en a deux. Alors, cette fois, il y en a deux. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Fury, Casino, 4D. Et un petit ténèbre avec Yuna. Au moins, on va en avoir un sûr et certain. Enfin, je pense, j'espère. Ouh, le petit critique qui passe, à l'aise. Allez, dégage. Allez, dégage aussi. Le jeu n'avait pas prévu une team full DPS, je crois. Ok, les flammes se sont éteintes, très bien. Ah, non, il n'y a rien à faire ici, très bien. Bon, on continue, hein. On descend. Ah! On a gagné la Vétisphère Samouraï, les amis! Yes! Comme ça, je ne l'oublie pas, c'est parfait. Alors, on va regarder ce que c'est tout de suite. Vétisphère Samouraï. Maîtriser les techniques du Bushido, telles que bravoure, qui permet d'augmenter la force et la précision, et dilapider vos gils pour éliminer vos ennemis. Ah, ça peut être intéressant, quoi. Ça peut être intéressant. Au moins, on ne l'a pas oublié, je suis content, et on va pouvoir continuer. Et c'était tellement évident que c'était Ifrit. Tellement, les amis. Bon, on va faire attention à Divine Comédie. Yeah. Salut The God Bidou, bienvenue toi sur le stream. I know. I'm ready. Ok. Why? On va rester comme ça, 4D. Ténèbres, Fury. Allez, on commence déjà par 4D, ça va lui faire bien mal, vous allez voir, normalement. Ouais, 19 coups. La vache. J'ai envie de dire... Potion plus sur Yuna. Tu attaques. Ouais, voilà. Heureusement que je l'ai soigné, parce que là, c'est Divine Comédie, ça doit faire mal. Mais bon, normalement, je pense que ça devrait passer, hein, j'espère. C'est bizarre de le voir comme ça, un petit peu ténébreux, Ifrit. J'aime beaucoup le style. Je sais pas pour vous, mais... C'est cool. J'espère que ça va le faire. J'espère. Ouf. Quand même. Allez, 4D. On va se soigner, potion plus sur Yuna. Ouh. Allez, allez, ça va le faire, ça va le faire. Dis. Oh là 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 là. Mais les dégâts avec la berserk, mais comment j'ai pas pu avoir ça avant? Regardez-moi ça! C'est déjà terminé! Another hole.
bien. Je m'attendais quand même à une petite surprise de la part de Yuna, qui nous donne un peu son point de vue. Mais a priori, il voulait pas. Bien, on augmente de niveau, ça fait plaisir. Anneau d'ange. Et donc la suite alors. C'est quoi? Fortunately, I know everything. So why were fiends coming out of the temples? The fiends didn't come from the temples. They came from the chambers of the faith. Right, exactly. But why? I'm just a kid. The holes in the chambers of the faith, were they there before? No. So the holes must be new, right? There was one in Bavel too, a great hole. But that one was made by Vecnagon, wasn't it? That's true, but they're connected somehow. The holes are connected? Yes, but it's more than just that. Somehow I think there are deeper connections. Oh, that is deep, Yuna. Distress call from Jose Temple. Jose? Is it Gipple? Hmm. Looks like they got into some trouble trying to clear out the fiends. Right! Here's the order. Got wings? Forget it. Let Gipple save himself. What? Gip-c-c-you. Guess I eat an egg. Well, Yuna? Well, we'll just have to charge him a little extra then. Go, Wings, let's go! Ah, oh, can't we give him a discount? Je rappelle que bien sûr Gipel est un albède. Hein. Ok. Mais on se dit, il faut aller tout de suite au niveau de du temple de Jose, parce que ça avait l'air important, mais non. Ce qu'il faut faire, les amis, et ça, Zach me l'avait dit avant de préparer le live. Il m'avait dit que, bien sûr, il fallait avoir la vétisphère samouraï avant, avant d'affronter Ifrit, justement. Et avant d'aller au dernier temple qui nous est proposé, donc à savoir le temple de Jose, nous allons nous rendre à Bevel. On dirait que bien que Neoyevon a des petits problèmes internes, c'est pas nous qui allons nous mêler de ça. On va y aller, et normalement, si j'ai bien suivi, il faut que je retourne, là on avait affronté Bahamut. Déjà pour une cinématique importante. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je vais pas parler au personnage, hein, ça sert à rien. Et normalement, si je me trompe pas, il doit y avoir une sphère Crimson Squad. Ça doit être ça. Il doit y avoir une sphère Crimson Squad, et après, bah écoutez, hein, prochain live, ce sera le temple de Jose, hein, logiquement. Vu qu'on a fait tout l'annexe. Hein. Donc on avance bien, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épisodes d'annexe, mais c'est pas grave. Ok. En l'absence du maître Baralai, il n'y a personne pour gérer les troupes comptablement. Mais je crois que Maître Baralai est parti enquêter sur cette invasion de monstres. A mon avis, il s'est fait kidnapper par ces crapules de la Ligue. Ok. Donc directement par là. Ok. Bon, je parle pas au personnage, hein. Je pense que ça sert à rien. Est-ce qu'ils vont nous laisser entrer ou pas? Oui, à mon avis, je pense. Hein. Très bien, on continue. Alors, si on a bien suivi... Il y a encore des choses à faire ici ou pas? Non, là, normalement, on a tout fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la sphère Crimson Squad.
Il est temps d'écraser la Ligue et d'en retrouver notre suprématie. On n'avait jamais été par là. On n'avait jamais été par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'élévateur du siège de Nayevon a changé de destination. Il mène directement à la salle de l'épreuve. L'élévateur du siège de Nayevon est revenu en mode normal. À la salle de l'épreuve, voilà. C'est là où je voulais aller. Parfait. Est-ce que si je vais à droite, il n'y avait pas un mécanisme? Non, là c'est bon. Là c'était ça pour, je crois, voilà, ouvrir le panneau qui était sur le côté gauche. Et je crois que voilà, fallait changer la destination. Là faut qu'on aille, j'allais dire, au-delà de la salle de l'épreuve. Logiquement, j'ai envie de vous dire. Voilà, on va checker ensemble. Hop. L'élévateur central a changé de destination. Voilà. Hop. Je suppose logiquement que là c'est bon. Hein. Si on part pas vers le haut. Voilà, on part vers le bas, c'est parfait. Ça fait plaisir. Alors. Ok. Est-ce que je peux faire... L'élévateur a changé de destination, il mène directement aux entrailles. Aux entrailles. Donc, les entrailles, je peux y aller, alors. Ah, ça c'est intéressant, on gagne du chemin, là. Ah, d'accord, il y a aussi des combats, très bien. Bon, eux, ça va être facile, hein. Hop, hop. Allez. On a pris terrifié, nickel. Donc là où on avait affronté Bahamut. On avait affronté Bahamut. L'acte 2 ou l'acte... Ah non, c'était... Ah. C'est dans l'acte 2. C'est-à-dire qu'il y a encore des coffres partout. Queue de phénix. Ok. I got this. Hey, I want to fight too. hop, hop, hop. Allez, salut. Nickel. J'aime. Finalement, non, alors je voudrais... Je voudrais remonter. Oh là, alors lui, ah oui, lui, il est un peu plus costaud. Quoique. Quoique, quoique, quoique. Je l'esquive. Pain. Ok. Bon, ça va, hein. Ça va, ça va, ça va. C'était dans l'acte 2. Donc, ça veut dire que, plausiblement, on a des coffres. Je peux remonter? Oui. C'est bien, comme ça, ça nous fait de l'XP. Hein. Bon, on va essayer de garder un peu nos MP. Ok. Allez, ça se fait tranquillement. Mais sûrement, comme on dit. Voilà. Hop. Je vais juste checker avec vous. Potion plus. Hop. Oh, des bonbons. Alors ça, par contre, on va faire attention. Fury, Casino, 4D. Faut faire attention, sinon ils font kamikaze, bien sûr, hein, vous connaissez. Vous connaissez, donc on va faire un maximum de dégâts, du moins on va essayer. Ok, encore ténèbres.
toucher les deux. Ah, c'est déjà un peu plus costaud là. Ok, bon. J'ai rien dit, ça va. Hein. Ok, parfait. Bien écoutez, on va descendre. Ah, par contre, un combat tous les 2 mètres là, c'est un peu chiant, je trouve. Hein. Oh, on a pris Hadès. Parfait. Allez, salut. Nickel. Elle est toute mignonne, je trouverai cool. Parfait. On continue. Et un combat tous les 2 mètres, c'est ce que je disais, hein. Ok, bon, eux, on va les avoir trop venimeux. Alors, du coup, objet, on va mettre un antidote sur Riku. Ah non, mais non. Mais non. Parfait. Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux. À part faudra qu'on teste Samurai, mais il n'y a pas mieux comme configuration que ce qu'on a actuellement. Vraiment. Du coup. Tout là-bas au bout. Vous avez été pris par surprise. Ouais. Alors, Fury. Casino 4D. Et Ténèbres. Allez. Bonsoir aux deux âges. Bienvenue à toi sur le stream. Comment ça va? Allez, salut tout le monde. Parfait. Alors. Si je vais par là. D'accord. Ah oui. Et la suite était par là, je crois. Je crois. Hein. Ok, des bombos. Fury, Casino 4D et bien sûr Ténèbres. Vous connaissez la parade, je crois qu'il n'y a pas mieux. Vraiment. Allez, vas-y, vas-y, petite Riku. Bam. Bonjour à toi, Aircaps. Bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne journée. Works for me. Ouais, ça va très bien, deux acheteurs, merci. Ok, allez, je prends les coffres. Au moins, j'en aurais pris, je pense, au moins 80% de la zone. Donc, ça fait plutôt plaisir. Ok, ensuite, tu fais comme ça. Et je crois qu'il y a le... Si je me trompe pas, j'espère que le téléporteur, il est pas... De l'autre côté. Remède. C'est bon à prendre, quand même, le remède. On sait jamais, les altérations d'état, faut toujours faire attention. Ok, Fury, Casino 4D et Ténèbres avec Yuna. Oh là là. En un coup, on la one shot maintenant avec Riku limite. Elle est tellement rapide et puissante, Riku, quand vous la mettez en Fury. This had better be worth it. Allez, salut. Parfait. Niveau 40. Nickel. Et on continue. Il est 17h47 actuellement où je vous parle. On verra. Elle en va au voile de serment. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Moi, j'en ai marre des combats, là. Casino 4D. Ouais, ça va. Hein. Objet, potion plus sur Yuna.
Allez, moi je compte sur Riku, elle fait tellement de dégâts. Ok, il y a 4 decks qui va débarquer là. C'est bien d'avoir un personnage en moins à gérer. Hein. Mais elle est tellement bien. Regardez! Ok, donc, on est revenu au début de la zone. Hop. Et j'aimerais bien au moins qu'on sauvegarde. Sino, 4... C'est pas grave. Furie et ténèbres. Allez. Rideau de lumière. Oh, super. Allez, c'est bon. Non, je vais pas faire de top pour voir le décalage. Vous connaissez le décalage sur Daily, donc j'ai pas besoin de vous le répéter. Ok, allez, j'aimerais bien trouver un point de sauvegarde avant qu'on se laisse. Ce serait plutôt intéressant. Aïe aïe aïe. Objet antidote sur Pain. Objet potion plus sur Pain. Et tu attaques. Allez les filles, on y va, on y croit. Allez, boum, parfait. Nickel. Allez, on monte. Ok. C'était à droite ou à gauche, je me rappelle plus. Je vous avouerai, je me rappelle plus là. Allez, on les limite là, on les one-shot, hein, c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Allez, go. Ah, pause de magie. Envie de vous dire voilà quoi. Allez go. Si je vais par là, je vais où? Allez non, pas de combat, j'en ai marre là. Juste avant qu'il attaque Riku, c'était parfait Yuna, c'était parfait, merci à toi. Bon. Ok, là ça va où là? L'élévateur a changé de destination, il est revenu en mode normal. D'accord. L'élévateur a changé, il mène aux entrailles. Ok, 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 ok. Et si je vais à droite, ça va où? Ah, ok. Was that Gipple? What's he doing here? Ouais, c'est bien suspicieux tout ça. Bah, c'est parfait, on a une sphère de sauvegarde. Oh, attends. Et je voulais pas retourner au vaisseau, quel crétinus, moi! Quel crétinus! Et quel crétinus! Je vais à la Beuvel, moi!
Non. Ok, en route. Ok, bon, ce que je vous propose, c'est que je vais faire de mon côté, je vais revenir sur le point directement, comme ça, ce sera fait. En tout cas, j'espère à vous sur YouTube que ce 24e épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas vraiment à partager, liker et commenter la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis donc à très bientôt. Et on se retrouve juste devant la sauvegarde, on avait eu la petite séquence cinématique. Allez, bye tout le monde!